Monsieur le Président, chers amis, chers compatriotes, nombreux comme toujours, et comme vous voyez, je suis tombé malade. Et je parle difficilement, donc je vais essayer de raccourcir mes mots. Et oui, c'est peut-être le moment aussi de remerciements pour mes deux collègues, copines, architectes aussi, Isa et des Emisa qui m'ont organisé un tour. Enfin, je peux préparer un article. Et 3 hôpitaux à Paris pendant 2 jours. Et 10 de pharmacies. Mais ce n'était pas très efficace. Bon, c'est toujours plaisir et l'honneur d'être ici avec vous. C'est 9e fois, j'espère que ce n'est pas la dernière. On se verra l'année prochaine, j'espère. Et maintenant, je donne la parole à mes collègues étudiants qui vont s'exprimer en français. Boulevard de Liaison. En réfléchissant au budget de concours de cette année, avant tout, nous avons pris en considération les vies que nous connaissions personnellement. Nous avons analysé comment elles fonctionnent, comment semblent, comment Marie les sent et quelle est la manière réelle de leur espace public. Après une petite révision de toutes les villes que nous connaissions, ce qui est devenu clair pour nous, c'est Elbląg qui est la ville qui justement exige le plus notre intervention et l'analyse de ces problèmes. À présent, à Elbląg, la vieille ville est reconstruite dans l'incubateur historique, mais avec les refraises, l'élévation, la dite vieille ville avait son canal comme centre présent et fonctionne très bien. Malheureusement, de l'autre côté du canal actuellement, il est étendu un peu négligé qui possède néanmoins une grande valeur historique, c'est-à-dire l'île de Grenier à céréales. Ce terrain a un grand potentiel, mais son parc total influe négativement le fonctionnement de tous ces centres. Nous avons désiré donner à Célier une nouvelle ville. Cela veut dire de créer de nouveaux terrains publics au centre de l'île et au bord de l'eau. Grâce à cette opération, la vieille ville récupérera la vraie vie, deviendra un centre vivant de la ville. Notre projet prend en considération l'espace prévu pour les habitants, tant l'infrastructure de fonctionnement public, ce qui va augmenter le niveau de vie de tout citoyen. Ce qui était le plus important pour nous, c'était la création du boulevard plein de villes qui est lié avec la structure historique de l'architecture expert comme sur l'éducation culturelle grâce à l'exposition et la revitalisation d'un avoué vivant à l'évoque des garnières à céréales. Ce qui est aussi important, c'est faire attention à l'emploi des bastions qui peuvent servir comme piste verte qui entoure toute l'île. Résumons,
notre idée peut être entière, inexploitée actuellement. C'est une création, l'union moderne de l'architecture, du passé, art lettéré, qui contre ce qui est nécessaire pour la ville. Comme résultat du projet, nous proposons l'étendue qui précède beaucoup de différentes fonctions publiques. Nous avons avagé les espaces pour jouer et se reposer, compact, puis vers ici, macro son de Boulois, arc le passe pour MRL. Grâce à ce changement, le centre de la ville deviendra plus grand et beaucoup plus plein de vie. La qualité des habitants changera pour les mieux, alors nous entendrons ce qui est le plus important pour nous, le futur architecte. Merci.